Vous aviez qu'à vous abonner, on vous l'avait dit. Il est où la jacouille? Il y a le marre de voir le choupi. Bah ouais, mais la jacouille est partie travailler. Tu t'abonnes, et que si tu commentes et que si tu likes. Mais vous le faites pas. Ah non, moi je suis trop vieux pour faire ce genre de truc. Bah voilà. Alors la jacouille, tu la verras pas. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On voit un peu, on me voit plus. On me voit. Un banana qui vient. Cédric, c'est celui qui nous a fait ça à cause de lui, je me suis fait tatouer. Puis on a la balade de Jade. Donc ça fait un moment qu'on se communique en fait avec eux, on s'est jamais rencontrés. Comment ça se passe à un apéro dînatoire avec la jacouille? Là c'est caca, et là c'est pas caca. Heureusement que je suis là. Hein. Ah ouais. C'est pas mal. Elles sont jolies tes miches. Mes petits hamburgers sont prêts pour l'apéro. La viande hachée, et ceux-là je les ai faits au poisson. Très poli. Maintenant on les connaît. Bah, ils aiment le rhum, plus que nous. D'ailleurs, il serait peut-être temps de... Un demi-citron. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les bananes. La même dose de sucre. Et le reste en rhum. Oui, mais les verres, ils sont grands. Non, regardez par rapport à mes doigts. Vous voulez pas un whisky d'abord? C'est des petits verres. Hein. C'est ce que vous buviez avant d'être sur un bateau. Ah bah oui, quand même. C'est bon, coupé. C'est bon, c'est fait. On a passé une soirée un petit peu arrosée hier soir, surtout pour la jacouille, vous la connaissez. La météo se maintient pour partir demain sur Moria et elle se maintient même très très bien. Je vous montre bateau vert, petite dédicace à Elodie et Corentin. Bateau vert, oui, il est vert. Tu m'as dit de pas dire hardi. Vous m'avez dit de dire hardi. Regardez bien quand il va partir, le vent va tourner nord-est cette nuit et même plus de nord. Et normalement, mais c'est rare, normalement, on devrait vraiment avoir du nord-nord-est, que ça soit GFS, que ça soit ECMWF, je vous dis, depuis peu, tout le monde est d'accord dans l'idéal pour entrer sur Tahiti Moorea. Hier, c'est la balade de Jade, là, c'est la balade des Belges. Il n'y a pas que des Belges. Hein. Ces deux personnes habitent Wainé. Oui. Ce sont des followers. Madame et monsieur. Followers, on n'a pas de bateau, mais c'est un projet. Et on s'est croisés par pur hasard hier. Le hasard n'existant pas, voilà. On a retrouvé Mademoiselle Jacouille aujourd'hui. Et là, vous avez des Belges. Un commissaire et une pervenche. Sur le Wally Arwen, hein, Instagram, Arwen Odyssey. Ah non, maintenant, faut payer, nous. Quand tu fais ta pub, tu payes. Bah, on paye en nature. On a coupé. Bah, on a encore passé une bonne soirée, mais moi, je commence à être crevé. Hein. Tous tes amours. Ouais. T'es pas obligé de boire, tu peux boire de l'eau. C'est mon foie qui ramasse. L'abus d'alcool, regardez ce que ça donne. Non, regardez. Attends, elle m'a volé ma réplique. Ah non, c'est dégueulasse, c'est ma réplique. Demain, direction Moorea, il va falloir aller se coucher. Bonjour les bananes. Est-ce que le vent est passé nord-est? Est, c'est pas super bon. Nous, ce qu'on veut, c'est du nord-est. Toujours annoncé, le routage, 10 nœuds en rafale, 10 nœuds de vent, nord, nord-est, les vagues sud-ouest, 1,70 m. Ah, le courant, par contre, il nous dit qu'il est là comme ça. Donc, le vent arrive nord-est et le courant arrive comme ça. Ça fait normalement une mer dégueulasse. Vent contre courant, si on veut continuer à avoir Internet. Utilisation des données, priorité mobile. C'est parti, mon kiki. On est toujours en illimité, sauf qu'on paye 1,99€ le giga. Il est 6h du matin. Pour l'instant, il n'y a pas de vent et l'arrivée se fera vers 23h minuit. Pourquoi je ne suis pas parti hier soir pour arriver deux jours? Parce que hier soir, c'était pas le nord-est. J'ai l'avantage du terrain, je connais entrer là-bas, la passe d'Oponou, donc c'est pas un stress. Pour l'instant, on est au moteur. Cette passe s'appelle la passe Avapei. Il y a un peu de courant dedans parce que bah justement, le lagon s'était rempli le temps que tout s'évacue. Et je vais prendre l'alignement. L'alignement est ici. Il n'y a qu'une bouée verte, il n'y a pas la bouée rouge sur cette passe-là. On ne peut pas dire on passe entre les deux. 30 degrés tribord. C'est mon ancienne trace de la dernière fois.
que je vous disais, les zones de courant, à tout moment, peut vous changer le cap du bateau. On fait route comme ça, mais Black Lion va par là-bas, qui fonctionne en crabe, comme ceci. Les feux verts de l'alignement. Normalement, les deux doivent être alignés là-bas. Donc je pars un petit peu par là. Nous sommes presque sortis. Est-ce qu'on va pêcher cette fois-là? Les cafards, les rats, les abeilles. On n'oublie pas de mettre le canal 16. Voilà pourquoi c'est elle qui est dans la cuisine, c'est moi qui navigue. On n'a pas encore sorti la passe? Non. Sorti déjà. Mais évidemment qu'on est sorti. Mais pourquoi tu parce que je vois des vagues là-bas. Donc là c'est quoi comme île? Et toi, il y a un truc qui sort de ta passe à toi là? Là. Canal 13, unité 3. Bulletin météorologique. Origine Météo France, bulletin marine, vent nord-est à nord, 10 nœuds. Rafale sous grain, 25-30 nœuds. Roule longue de sud-sud-ouest, 2 mètres. Soit un travail vers le canal 7. Parfait. Ils sont tous d'accord. Météo France, ECMWF, les Européens, les Américains. Là, le vent est de 8 nœuds est pour l'instant. Est, c'est pas très bon pour nous, hein, ça. Oh, il nous faut vraiment du nord-est. Hein. Tout est juste. On va juste surveiller le ciel qu'il n'y ait pas de grain orageux. La houle est très longue. -40 degrés du vent apparent, 12 nœuds de vent apparent, très serré pour Black Lion. On est à la voile, on va y aller tranquille. J'attends un peu plus de nord quand même, hein. S'il vous plaît. Un riz au démarrage, et vu les conditions, je pense que je vais quand même mettre toute la voile pour gagner au moins un nœud. C'est normal, on va se prendre un petit effet venturier, ça va pulser un tout petit peu. Attention quand vous mettez les voiles légères, ces pointes là derrière, si c'est déjà 15-20 nœuds, vous pouvez prendre du 25-30-35 nœuds. C'est le sud de Wainé. Vous voulez voir un jacouille? Allez au toilette. Jacouille! Jacouille! Un cap qui est pas trop mauvais, on est pas mal du tout. La jacouille est affalée. Ça faisait longtemps. Le doux bruit du cliquet de la canne, il est parti, mais ça a lâché. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de touche comme ça? On a eu également une touche là aussi. Alors vous savez, celui-ci là, le cliquet ne marche plus. Donc bah, je fais un petit système avec une LED et qu'on entend bing, bing. Bah, normalement, on a un poisson. Il y a moins de houle que prévu, non? Très serré. La jacouille barbabouille. On a les vagues de face, mais c'est pas désagréable. On est à 6 nœuds maintenant. Donc 10 nœuds devant annoncé, il y a 15 nœuds. C'est comme ça qu'on comptait auparavant. 10 nœuds, vous rajoutez en général 5 nœuds. Tout se passe bien, on a un cap qui est pas trop méchant. En flagrant délit. Mûche! Mais pas très grand, mais c'est déjà un début. Le petit temps jaune, les bananes. Oui. Imaginez pas comment on est trop content. Ça fait tellement longtemps. Tellement content. Mais vraiment, on vous l'a dit quand on sentait que les conditions avaient changé là. Par contre, c'est pas terrible la canne à pêche pour le bateau quand même. Hein. Non, finalement, ouais. C'est pas la grande qualité non plus. Hein. Cool. Mais bébé, il n'y a pas un poisson là-bas aussi? Il y a un poisson là? On revient, Pépère, on revient. Calme-toi. Ce sont les nerfs. On va dire que c'est les nerfs. C'est les nerfs. Allez, ma jacouille. Encore un ton jaune. Attends, bébé. Rembobine encore. Il s'est pris dans l'hydrogénérateur. Ah merde, il est pris dans l'hélice. Il est toujours. Ah purée. Oula. Attention bébé, hein. Ouais. Tu veux le couteau? Ouais, il faut que je le saigne. Tu peux te changer, t'es assis dans le sang de poisson. Okay. Et il y a plein d'oiseaux là. Ah, je peux pas tout faire, hein. J'ai la canne et le poisson là. Il est chier lui, il peut faire qu'une chose à la fois là. Et puis, je veux dire, rien.
Qu'est-ce que ça va aller là? Je parle aux bananes. Juste de remettre la grappe. Ça alors. Pêche miraculeuse les bananes aujourd'hui. El Niño nous a lâché la grappe. C'est quoi? Si, c'est un peu encore. C'est pas le même hein. De l'autre côté. Incroyable, vous avez vu, j'ai fait nos vidéos, on disait mais qu'est-ce qui se passe, il n'y a plus de poisson, il n'y a plus rien, c'est un truc de fou. Mais t'as mis de l'autre côté? T'as remis de l'autre côté? Je peux le temps. Et les oiseaux, regarde, ça continue, ils nous suivent. Hein. Vous voyez les fous là, ils n'arrêtent pas de passer. Les amis, on vous ramène du poisson. C'est encore un temps jaune. Il peut casser. C'est vraiment pas pratique la canne. Hein. Yeah. Ouhou. Oh, il est plus gros celui-là. Hein, il est un peu plus gros que les autres. Il est un peu plus gros. Waouh, okay. Trop bien en fait. Voilà ce qui est sorti de l'autre. Mais fraîchement mangé. Hein. Oh. Alors c'est pas de la tuerie, hein. Ça fait un an qu'on n'a rien pêché. Quoi. Ouais, on est content là. On va là, le mettre au congélateur, on va le donner aux amis, on va se faire plaisir. L'eau de mer à l'arrière, c'est pratique pour nettoyer. Ah, oui, c'est vraiment bien. Indispensable. Regardez tout ce qu'il a fait. Oh là, il y a bien 5-6 kilos de poisson. Excellent. Hein. Va falloir flotter, il est tout nu chouchou. Oh. On n'est pas que de la chair et du poil. Coaching va. Gourmand. Et donc bah, l'eau de mer, c'est indispensable pour rincer parce que ça pisse le blood. Le blood, c'est le sang. 8 mois qu'on a pu pêcher une seule fois un poisson. Je dis, bah, officiellement, El Niño est terminé. L'eau s'est rafraîchie. En 30 minutes, 4 poissons. La raison, moi, ça m'inquiétait vachement. Je dis, mais ils sont passés où tous les oiseaux? Et la mer est quand même beaucoup plus agréable. Je me suis bien fait secouer à l'arrière là, non, quand même. Non, mais je veux dire, on est au pré, mais quand même, c'est, ouais. On a eu des conditions bien pires. Bien pire que ça. Bah avec la fin d'El Niño, ça va être sûrement le retour des écolos, on prend plein la gueule. Oh, petit poisson, donc bah, on pêche et jusqu'à temps qu'on ait plus de place dans le congélateur. Et là, on va donner parce qu'on rentre sur Montréal, donc on va donner aux amis. On a oublié de payer notre facture de téléphone. Aïe, aïe, aïe. On est en pleine mer, on va payer. Mais depuis quand c'est possible? Je viens de faire mon paiement en ligne grâce à Starlink avec Internet. Joli, vraiment, c'est une révolution. Avec Jacques, il a fait bruit. Je trouve que c'est un peu trop souvent comment je n'ai pas trop sur Black Lion. Hein. T'es pas content, t'as qu'à faire manger. Bon, la mer commence un peu à s'agiter. On serait très bien, mais on se fait un peu secouer quand même. La houle est pleine face. Quoi, c'est pas la houle, c'est les petites vagues. C'est assez toi, donc ça plonge dedans. La jacouille a du mal. Non, je suis pas malade. Ouais, merde. Et voilà, la vague dans la gueule. Ça arrive de là. Ça arrive de là. Ça arrive de là. Là-bas, la houle longue, elle est coupée, bah, le courant, toujours pareil. Les voiles sont très bien réglées, on est au pré serré. Le temps est clément. Voilà, nous sommes vertical Moréa. Nous venons de décoller, direction de Nandi, les Fidji. Et nous allons chercher le Black Lion, Cyril et Magali, qui se trouvent actuellement en navigation entre Moréa et Wainé. On leur faire un petit coucou. Voilà, coucou Cyril et Magali. Voilà Moréa, donc où on a passé une semaine super ensemble. Et on va aller vers Wainé actuellement. Poisson, c'est reparti! J'ai senti tirer là! Ah, c'est encore un temps, génial! Ouf là! Attends, regardez ça, c'est mon papounou de la mer qui m'avait offert ça là, c'est vachement bien. Hop là, ah ouais. Vous mettez dedans et après vous tournez comme ça. À 41 000 de l'arrivée, nous voyons la silhouette de Mo'urea. Quand vous faites des jours de mer et tout d'un coup vous commencez à voir la silhouette, vous dites waouh. Vent repasse un peu plus dans le nord que dans le nord-est. Ça, c'est le vent réel. Et le vent apparent nous donne du 60 degrés quasiment là. Et ça nous fait prendre un cap. Sur Mo'urea, il commence à y avoir du nord dans le nord-est. C'est très 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 bien. Il est toujours sixième, hein. Il n'arrête pas de repartir. Ah, il repart. Qui gagnera? Il est balèze celui-là. Je sais pas ce que c'est. Il est pas loin là. Mais il est où? Il veut pas remonter, on le voit même pas. On le voit même pas. Ah, je le vois là. Tu le vois? Ouais. Attention. Oh là, c'est quoi? Oh, c'est un bouton. Ah ouais, il est gros hein. Ouh, il donne des coups là. Pop, pop, pop. Ouh, il est énorme. Oh là là. Magnifique. Waouh, attends. Cette fois, on va arrêter là hein. Regardez tout ce qu'il a mangé lui. Et la
Allez, pour une fois qu'on va faire tout à la voile, obligé de mettre la génératrice s'il n'y a plus d'eau. Plus d'eau au dessal. Plus une seule goutte d'eau dans le Black Lion. Le vent a baissé et donc bon, là on sait plus qu'il y a 2,5 nœuds. J'ai mis le moteur. Il y a nous à 34 000, c'est bien, on aura fait ça presque 53-54 000 tout à la voile au prêt ciré. Le temps est d'arriver à destination. C'était une belle journée. Bonne pêche. Finalement, le mer hein, pas trop dégueulasse, on va dire. On a eu très chaud. Le bout de l'emmagasineur était tombé dans l'eau. Je l'ai récupéré. Heureusement que c'était que le moteur bâbord qui était en route. Il reste la passe à prendre. J'ai mes traces. À l'approche de la passe, les voiles sont baissées et deux moteurs allumés. Nous sommes à 20 minutes de la passe. La veille popo, donc on la connaît. On va prendre l'aliment comme d'habitude. Et puis on ira se mettre dans le fond de la baie pour bien dormir. Et demain sera notre jour. Nous sommes à Bolia. Oh, regardez, souvenez-vous. Elle m'a épuisé cette traversée, on est arrivé à minuit hier. On a mis toute la chaîne, alors la chaîne on s'inquiète un petit peu là, elle commence à faire des gros pâtés, ça c'est pas bon du tout. On l'avait retourné, les premiers mètres sont bons, 40 derniers sont pas bons. On va aller faire de l'essence. On aime que Blacky soit prêt à repartir immédiatement, donc on va faire le plein. Mais on va à la station qui est juste à côté. C'est assez rare de mettre les 60 mètres, on est mouillé dans 20 mètres de fond. On veut pas, hein. Attends, pas trop près, mais il faut avancer. Allez, encore un peu. Vas-y, c'est bon, vas-y, vas-y. Allez, on va remplir Blacky, on va lui donner à boire. Alors ne pas se tromper, hein. Le verre doseur jaune, c'est le gasoil. Le vert, c'est l'essence. Bon, la jacouille a fait le pire qu'il ne faut pas faire. Mettre les pieds entre le quai et le bateau. Comment se casser une jambe? Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais le vent nous pousse légèrement sur le quai. Il faut jamais mettre ses jambes entre le quai et le bateau. Bébé, c'est quoi cette erreur de débutant? Ouais. Comme disait la mère Denis, bah, je ne ferai pas ça tous les jours. C'est tant mieux parce que je ne ferai pas ça tous les jours. Je crois pas que ce soit Mère Denis qui disait ça. Ça c'est vrai ça. Pourquoi on remplit? C'est parce qu'ici il y a de l'eau de source. Ça soulage un peu le dessal. Nous sommes vraiment pas mal à Popo. Je viens d'entendre les informations mondiales. Et ben, je peux vous dire que c'est pas rose. L'avantage du bateau, on a de l'eau avec le dessal. On a de quoi manger, on a de quoi voyager, on a de quoi s'exiler. Cette phrase n'est pas faite pour vous faire peur de bon matin. On n'est pas trop mal à bord d'un voilier, je trouve, à l'heure actuelle dans le monde. Vous êtes plusieurs à me demander comment je fais pour démarcher. Ben, en fait, ma petite valise, et puis je fais du démarchage, le commerce de proximité. J'adore ça, aller discuter avec les gens, prendre le temps, je m'amuse, je me régale. Bon, ça, c'est le gros problème quand vous mettez dans 20 mètres d'eau. Quand vous avez 20 mètres d'eau, il faut éviter de se mettre à côté des autres bateaux. Nous, c'est pareil, il y en a un qui s'est foutu à côté de nous, juste là. Et donc, bah, quand ça tourne, vous avez intérêt à prendre un rayon d'habitage et vous mettre très très loin des bateaux. Alors, ils ne se sont pas percutés, mais ils ne sont pas très loin l'un de l'autre. Prendre ces marques quand vous mouillez dans 15-20 mètres, moi, je n'interviens pas parce que les gens sont à bord. Et je pense qu'il doit voir quand même que le kata est juste derrière. Qui est en tort dans ces moments-là? C'est celui qui est arrivé après, évidemment. Le bateau bleu est là depuis plusieurs jours. Et nous allons faire un petit aller-retour. Vaillari, mauvaise nouvelle les bananes. Une alarme vient de retentir sur Blacky. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu cette alarme là. Batterie faible, 11-1. Quand je vous ai dit que c'était de la merde les batteries là. Bon bah j'ai commandé les lithium et le problème c'est qu'elles vont arriver par bateau, elles sont pas encore quittées leur pays d'origine. Il y a des batteries de merde, il y a des batteries de merde et puis c'est tout. Hein. Mais celle au gel que j'ai acheté à Panama, c'est une grosse daubasse. 11 volts.
Alors cette bouée rouge ne fonctionnait pas l'autre jour quand on est arrivé de nuit, mais hier j'ai vu un bateau qui faisait toutes les bouées comme ça. À mon avis, ils sont en train de les remettre à jour. Et regardez la passe, comment elle est super calme, il y a quasiment pas de rouleau. Un grand merci à Steph et JM. Comme vous avez pu le remarquer dans cette vidéo, toutes ces transitions de titres, ces animations de Lyon avec la fleur pour la jacouille, moi avec les lunettes, franchement un travail de dingue qu'ils ont accompli et qu'ils nous ont offert. Donc vraiment merci beaucoup Steph et JM. Donc c'est RGB, on vous met en description, c'est leur travail. Nos vidéos prennent une autre dimension avec ces animations, c'est vraiment vraiment super. Et deuxième chose, je vous mets aussi en image, je ne savais pas trop comment le faire pour mettre sur YouTube. Stéphane et Freestyle Gada, qui sont venus à bord du bateau, ont raconté leur histoire d'initiation en bande dessinée. C'est un nom. Au lieu d'écrire, elles dessinent. Et j'ai trouvé ça très drôle, ça m'a beaucoup amusé. On va mettre cette bande dessinée sur notre page Facebook, Catamaran Black Lion, ou sur notre Instagram. Si vous voulez la regarder sur le moment, bah vous mettez sur pause. Merci encore à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Allez où la jacouille? J'ai pas ma jacouille. Elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là. Allez, à la semaine prochaine, ou peut-être à donc un jour, j'en sais rien, on est débordés. Gros bisous.